Ladies and gentlemen, bien le bonjour, c'est Dark Even et bienvenue pour l'épisode numéro 9 de la série mini-jeux abonnés. Aujourd'hui, j'ai en ma compagnie Azen Ching, salut Azn. Salut Boto, tu m'as manqué. Salut le petit panda. Voilà, donc il revient rapidement, il n'est pas revenu tout de suite officiellement, mais il revient quand même un petit peu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'un youtubeur qui nous fait une petite visite avec nous, c'est Toxilac, salut Oxy. Arrête, tu vas me faire rougir à me faire tant de... à me lécher les pieds comme ça, c'est pas possible. Arrête, tu voulais dire autre chose, hein. Oui, ah, voilà, tu voulais dire autre chose que les pieds. Et nous avons donc deux jeunes abonnés. Merci de me prendre avec vous. Mais de rien. Et deux jeunes abonnés, pardon, excusez-moi, j'ai tout coupé mes paroles du coup. Nous avons Wizard, 57890. Bonjour tout le monde. Salut. Et nous avons Marco. Je vais dire Marco, c'est plus simple. Salut. Voilà, Karima Kix, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Voilà, bah merci les gars. Donc on avait fait déjà un épisode. Il a foiré parce que j'ai un problème de lag. Et suite à ce problème de lag, du coup on fait un hide and seek. Pourquoi? Parce que peu importe si je lag, on ne s'en rendra pas compte. Je suis démoniaque. Voilà. Donc pour rappeler un petit peu le principe du hide and seek, le hide and seek tout simplement est vous ressemblez à un bloc et vous devez vous cacher. Tout simplement. Il faut se cacher, il y a une personne qui doit vous chercher. Et là je te jure, je tombe sur le rôle du mec qui doit chercher, du coup je vais Donc vous allez vous retrouver dans des situations un peu improbables parce qu'on ressemble un peu à plein de blocs. Et ça va être très lol. Y a le mec qui en... y a un mec qui s'appelle War Saga, en fait, si tu veux, c'est un mec en meuf. Mais il est horrible, en fait. Okay. Venez le voir au spawn, en fait. Vous voyez le truc là où il y a le panneau Hub, là. Hub. Regarde Azen Ching derrière toi. Venez chez Hub. Alors, je suis quoi? Oh, Je suis un beacon. Un beacon. Je suis un beacon. Ah, mais c'est une nouvelle map. Pareil. Je suis un beacon, les gens. Un beacon. Un beacon. Où sont les zooplas? Allez, les beacons, tous à la cuisine. Cherchez les zooplas, vite. Putain, mais qu'est-ce que tu veux caler? Un bacon ici, y'en a c'est qui le bacon qui monte les escaliers? Y'a plein de cachettes, les gens. Moi, je suis déjà caché. Où est-ce que je peux me mettre là, putain? Vite, faut se planquer. Oh oui, j'ai trouvé. C'est bon. Oh. Je fais corps avec le décor. Oh mon dieu, un distributeur se fait la malle dans le couloir. Poursuivi par une table de craft. Ben non, c'est qui le four, putain, il est trop con. Y'a un mec, y'a un beacon, il a essayé de se mettre dans un endroit complètement improbable. Regarde, je vais faire un petit saut pour lui montrer. Ah putain, il est même pas joueur. Les faut pas bouger ta caméra pendant 5 secondes pour devenir vraiment un bloc. Ouais, voilà, c'est ça le truc pour se fixer et s'ancrer vraiment au décor, il faut pas bouger. Et ce qui fait qu'après on est immobile. Non, il y a un mec qui se met à côté de moi. Mais non, barre-toi, en plus c'est un beacon aussi. Mais là, on est trois beacons dans la même salle. Mais mec, je sais pas comment ça va se passer. C'est qui le beacon qui est coincé là? Ah, mais ils se sont empilés quoi, ils sont en train de faire l'amour à côté de moi. C'est n'importe quoi. Faudrait que je trouve où t'as, je viendrais m'empiler sur... C'est ça, là. Ah oui, alors je précise, parce que du coup, oui, la vidéo a recommencé. Donc je l'annonce, Oxylac. Donc en ce moment, on a démarré une... Enfin, moi j'ai rejoint Oxylac sur une nouvelle série qui s'appelle L'île de Syros. C'est une aventure suivie en hard, avec certains objectifs donnés par les abonnés. Je vous invite cordialement vraiment à aller voir sa chaîne, hein, et si par hasard vous n'êtes pas abonné, bah pourquoi pas vous abonner pour pouvoir suivre cette aventure qu'on fait donc sur cette petite île qui nous pose bien des problèmes et qui est fort sympathique. Le mec il a mis no I am seeker I did suicide. J'ai fait un suicide. J'ai envie de suicide, faut pas se les faire sur Minecraft. Ça y est, j'en vois, il commence à se rapprocher dangereusement de moi. Donc c'est un jeu avec beaucoup d'action comme vous pouvez le voir à la caméra, mais c'est vrai que je tourne à 120 FPS, c'est magique. J'ai pas de lag. Je suis à deux barres, mais j'ai pas de lag. Ah, ça y est, ça commence à courir. Non mais par contre, j'aimerais beaucoup que le beacon qui est à côté de moi se barre. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un petit bureau avec deux blocs, enfin tu peux mettre deux blocs dedans et on est deux beacons dedans quoi. Ta gueule, c'est moi. Il s'est vénère. Bon, Azn, si t'as un petit truc à dire aux viewers, donc, je te le redis du coup. Je passe juste un petit instant, mais j'ai vraiment hâte de recommencer les vidéos avec toi.
Voilà. Oh oui. Reviens. Donc il revient bientôt et comme je vous l'ai dit, donc une fois que Craftmania donc là va être terminé, hein, j'ai fait le dernier épisode là. C'est qui ? Une nouvelle série avec Azen Shing donc et Oxy 97. Donc c'est. Non. C'était ça, Fel. Excuse-moi, je suis avec ma femme. Oui, bah, je suis en pleine vidéo, tu sais, je fais des crêpes en même temps, mais tout va bien. C'est que personne est venu nous voir pour l'instant. On est trois pauvres mecs cachés. Oh, bah, ça y est, c'est parti. Ah non. Non, il m'a vu. Non. Ah, c'est toi, Dark. Mais on était tous dans la même salle. Ah, mais c'était toi aussi. Mais c'était le mec. Mais c'est vous qui vous empiliez en fait. Vous étiez en train de vous empiler. Mais non, si. You speak France. Il y a un mec qui dit You speak France. Oh, il y a un mec qui a tapé tous les beacons sauf nous deux, quoi. Ah, vous avez de la chance. Oh, lui aussi qui a tapé les beacons. Et donc, quand vous êtes un seeker, c'est-à-dire celui qui cherche, en fait, vous avez un nombre de coups déterminé par. Non, il est pas mort, je suis un seeker. Ah ah, maintenant je connais ta cache. Oh, Kakashi, je suis derrière toi. Vous avez un compteur avec l'XP, et en fait, quand ce compteur s'arrête, vous pouvez plus taper les blocs. Donc choisissez bien les blocs quand vous les tapez. C'est ça le. J'entends des grésillements en mode talkie-walkie, tu sais. Du coup, toi, Dark, t'es un seeker, toi aussi. Ouais, je suis un seeker. Je sais où vous êtes. Non, du coup, je vais aller chercher. Mais, grâce à la force du lag, je ne pourrai pas vous atteindre. C'est... ça va, c'est moins dangereux. Là, pour la vidéo, ça va, j'arrive à rester. Hein. Il se fait la balle. J'arrive à rester un minimum. Oh, je pense qu'il n'y a nulle part. Ça pourrait-il que. Ah, bah, si, on a gagné. Ah bah. Bon, bah, on retourne sur le 57, hein, les gens. Alors, Junqing, un commentaire pour cette hide and seek. Ça vous fait quoi, l'effet d'être un bloc ? Bien. Tu sais qu'il y a Snowman, là, je sais pas, il y a un mec qui fait du. Du loup la hoop là juste à côté de toi, j'arrive à arriver. Pala papa papa, pala papa papa, papa papa. Les mecs, j'étais déco. C'est vrai? Oui. Non, reviens. Terrible. Reviens. Oui, ah non, je suis en spam clic, spam clic. Oui, c'est bon. C'est bon, t'es passé? Oui, je suis passé. Oh, c'est beau. Magnifique, c'est magique. J'ai la flemme de partir. Ah, j'ai eu peur avant parce qu'en fait, si tu veux, j'ai cru que ça avait commencé à dire une boucle de slime à la main, je me suis dit, comment je vais cacher une boucle de slime, moi. Oui, en même temps, si on ressemble à une boucle de slime, on a un peu mal, parce que là... Oh mon dieu, on va me looter. Me lootez pas. Tu te retrouves dans l'inventaire du mec, tu sais. J'ai pas envie de me faire crafter. Puis tu te transformes en transformer en laisse. Vous imaginez, on est tous dans un slime, puis d'un coup, dès qu'il le slime, il se fait tuer. On se transforme tous en boule de slime. C'est la slime mania. Alors Marco, la patate, la forme. Ouais. Tout baigne, impec. Patate. C'est ça qui est bon. Mon skin, regarde, j'ai juste bougé la tête de creeper. T'imagines? Mais t'as une tête de creeper là? Non, mais je l'ai enlevé. Ah, mais je l'avais pas vu, j'avais même pas vu. Oh, je suis une enclume. Je pèse lourd. D'ailleurs, moi, je suis un. Je suis une table de craft, on va me crafter. Ouais, bah, mais moi aussi, mais t'arrêtes d'être les mêmes choses que moi, quoi. Il va venir dans les mêmes endroits que moi. Je peux rien, moi. Suicide-toi, saute dans le vide. Non, je sais où je vais aller. Ouais, mais non, ça fait pas bien. Mais une enclume au-dessus de moi. Ça fait pas très bien une table de craft cachée dans un arbre. Y'a un. Y'a un beacon qui fait du flipper avec le bateau. Oh, c'était terrible, quoi. J'ai été choqué, là. Bon, c'est sûrement dû à un bug de ma part, mais c'était terrible quand même. Je sais où je vais me cacher. Ah putain, le seeker, il est déjà au taquet, quoi. Oh fuck. Oh non, mais non, il m'a vu, quoi. Putain, mais je suis maudit comme mec. Attends, faut que je m'en fasse. Il est dans les arbres. J'arrive pas, il est dans les arbres. Arrête de bouger, compte à rebours. 5. Non. J'ai le 16. Oh mais non, mais bon, je suis... Mais je suis bien caché, la la la... Il s'est transformé en bol de riz, c'est pas... Vous êtes où, vous? Et sans oublier, les baguettes. Je suis sur le bateau, je fais corps avec le bateau. Lequel, le voilier, le boat, le... C'est vrai qu'il y a beaucoup de bateaux, bah je vais pas le dire en même temps, ce serait tricher, non? Parce que t'es seeker, là, déjà, Oxy? Oui, bah, le seeker, il est apparu, il était derrière moi.
Oh, mais il y a tous les blocs en train de se balader dans l'eau, quoi. Il y a des beacons et des enclumes. C'est normal, c'est des nouveaux poissons. Pas des tables de craft. Oh, je te vois, Oxy, t'es en train de courser une enclume comme un fou. Chope l'enclume. Attends, là-bas, il y a deux beacons sur le bateau en face, quoi. Moi, je suis bien caché. Ouais, mais y a personne. T'avais quoi comme skin, j'allais dire, Asie. Moi, un beacon. Bon, du coup, si tu me vois, je sais que t'es sur le bateau sur lequel j'étais avant et que c'est toi qui m'as tapé pour que je tombe. C'était ça. Yaaaaah, le beacon. Ah, putain, mais c'est pareil, il y a une bibliothèque qui se balade. Qui est en train de... Oh putain, tu t'es fait jarter. Je me suis fait défoncer. Mais... Oh putain, ils se mettent tous sur toi. Tu te fais attaquer par des objets. Mais mes potes, ils attaquent même pas les beacons, quoi. Le mec, il y a un beacon derrière lui. Il y a deux beacons, il est en train de se faire gangbang par des beacons. Attends, il se fait gang beacon. Mais reviens là, beacon. Asni, il est en mode poker face, il dit plus rien. Il fait corps avec le décor. Là, je prends vraiment au corps. Là, c'est je suis sûr un bloc, ça que ne personne va me trouver. Un bourdon finnois a dit: si tu te tais, tu feras corps avec la nature. J'ai deux devant moi, je sais même pas s'il va me taper. Ça, c'est le gros stress. Il y a encore un beacon qui me tape, quoi. Mais il y a combien de beacons à me taper, quoi? C'est le gang des beacons. Ils aiment le porc. Ah merde, oh. C'était toi. Non, c'était pas moi. Enfin, c'est pas toi qui m'a tué. Oh, un beacon chinois. C'est pareil, il y a un bateau en haut, il y a deux. Ouais, ben bah, à coup sûr, on me reconnaît directement parce que. Oh, il s'est et tout, quoi. Oh, c'est trop dégueulasse. On me reconnaît direct parce que simplement parce que je suis un beacon bridé, quoi. T'imagines? Beacon bridé. Oh, c'est quoi ça? Le beacon, il est jaune, tu sais. Oui, c'est pas juste, il est différent des autres, quoi. J'ai vu un mec se balancer devant moi, il est tombé dans l'eau. Et il est passé comme moi devant moi, comme ça, tombé dans l'eau, poulouf, même pas le temps poulouf. De le voir. Poulouf, il est tombé. Et poulouf, il est tombé. Allô, chérie? Ouais, je suis encore en vidéo, ouais. Allô? Je te rappellerai tout à l'heure. Salut. Ouais, je fais des crêpes encore, oui. J'ai mis le feu à la cuisine, tout va bien. Et toi? Hey, ça te dirait qu'on fasse un barbecue samedi après-midi? Pas de problème, je suis dispo. Eh ben écoute, en ce moment, je ressemble à une enclume, mais tout se passe bien. Bon, je te rappelle, il y a un monsieur qui va me taper. A plus. Attends, il y a un mec qui vient de passer devant moi, genre, il est reparti. C'est la feu. Tout est normal ici. Il est parti. Le mec, il a fait RAS. A plus. Bah, les mecs, je dois couper. Tu dois y aller. Bon, bah merci d'être passé quand même. Bah écoute, de rien. Tu peux dire un petit mot pour ton dernier passage. Tu peux lâcher un petit mot pour la fin, hein, vas-y. Je peux me lâcher vraiment? Doucement, hein. Lâche pas tout, hein. Vas-y, vas-y. Je sais pas, j'hésite. Tu peux dire n'importe quoi. Du moment que ça reste courtois. Bon bah ciao tout le monde, voilà. Bon, lâche-toi, hein. Lâche-toi. Vas-y, lâche-toi. Pamplemousse, voilà, je me suis lâché. Bon bah à la prochaine alors, merci d'être passé, hein. Bah de rien, allez au revoir. Salut. Salut. Et Marco qui arrive complètement à l'improviste, il fait: salut, on peut faire des vidéos? J'ai fait bah je regarde, personne. Bon bah viens. Des fois tu sais c'est tout con. Alors compte à rebours. C'est le compte à rebours. Moi c'est ça, genre bah pour s'il y a des abonnés, il y en a un qui me dit: ah bah en fait je peux pas être là samedi. Un mec au même moment qui me dit: ah je peux participer. Je fais: bah oui, t'as de la chance, une place. Souvent c'est ça, hein, j'en ai plein qui sont passés. Ils ont fait ils sont arrivés au bon moment. Ils ont fait je peux passer et tout, t'as moyen ou pas? Je regarde, je vois, ah bah carrément, il me manque un mec. Vas-y, viens. De toute façon je peux pas, parce que la plupart des gens qui sont réservés, ils sont pas connectés là. Tous ceux que j'ai de réservés, ils sont pas là. Donc bon bah forcément, si je peux tourner avec quelqu'un d'autre, allons-y, quoi. Parce que là, en plus, j'avais plus de série mini-jeux, là. Ça tombe bien qu'on en fasse une. Ouais. Et c'était une bonne idée de prendre le hide and seek, parce que ça m'évite de... En tout cas, la map de Tyler était franchement cool. Ouais, franchement, ouais, j'ai bien rigolé. Mais en fait, tu sais que je t'ai menti, mais en fait, j'étais dans le bateau... Et moi, j'étais au bateau là où tu t'es fait taper, en fait. Bah oui, c'est ce que je dis. Ouais, non, mais je te parlais de l'autre qui était pas.
Bah le premier où je suis venu et que je me suis fait dégager à peine venu. Ouais. Je suis retombé dans l'eau et qu'après j'ai poursuivi des beacons. Ouais voilà ouais. Ouais voilà c'est sûr. Mais je savais que t'étais dans celui-là. Y'a un mec il est passé devant moi, il m'a pas vu. Oxylek en fait il est juste passé au-dessus de moi mais ça va quoi. Ça va quoi, je le vis bien. Ça, c'est... il m'a marché dessus mais c'est ouais, bon ouais, quoi. Mais juste marché dessus quoi. Non mais aucun respect quoi. Oh, je suis quelque chose. Oh, j'en suis une table de oh non, je n'aime pas cette map, moi je sais où je vais me cacher. Oh mais elles sont stylées ces maps, moi je les avais pas vues quoi. Putain Dark, on finit la colonne d'atelier. Putain, il y a un zombie qui fait du disco. Il se tient la barre de striptease. Ouais, c'est terrible. T'as un spawner ouais, avec un... Ah bah ça y est, il bug. Ah si, il tourne. Non mais c'est terrible. Attends, parce que du coup faut que je me cache quand même, parce que là je me fais un peu perturber quoi. Bon, je vais me mettre... Oh, parfait. Je me suis mis avec ma famille. Moi, je me suis caché. Oh non, il m'a vu. Oh non, oh non. Ah merde, oh non, quoi. Juste au premier coup d'œil, quoi. C'est dégueulasse. Ah c'est bon, je suis un black. C'est dégueulasse. Je ne risque absolument plus rien. C'est une tape, putain, mais c'est un salaud, le mec. Il a fait toute la salle, j'ai même pas eu le temps. Coucou, Ezne. Coucou. On a Momo avec nous. Salut, Momo. Ouais, j'ai tué quelqu'un, mais on je sais pas. On a Spaz. Il y avait Azn et maintenant il y a Spaz. Salut. Spaz. Grand défenseur de l'extrême. Chevalier noble. À la juste cause. Au revoir. Bon. Je trouve que les Seekers, ils spawnent trop vite. Ah ouais, c'est clair. Attends, je crois qu'il m'avait vu dès le départ, en fait. Le mec, il est arrivé, il a fait bon. À qui le tour? Il a commencé à taper tout le monde. Pourquoi il y a un œuf de l'Ender Dragon ici? Oui, d'habitude il est en haut de la grosse... le gros globe en haut... ouais, le gros globe quand t'es dehors. Et les gars ils tapent dedans pour se cacher à la place. Ah mais c'est terrible quand tu vas dehors. Ah ouais! Putain, ils ont bien fait ça hein. Pourquoi on peut aller dehors? Ah ouais, mais moi j'avais pas vu, il y a une putain de salle et tout. Genre t'as l'impression d'être dans l'espace et tout, t'as des champignons... Ah oui, ben moi je suis dedans, oui. Champignons de laine et tout, c'est beau. Alors, on va chercher un petit peu là. Où sont-ils? Je suis mort. Qui c'est qui s'est transformé en capote? Dites-le-moi tout de suite. Moi je suis un bacon et reste. Putain, mais c'est stylé, hein, j'adore, les décors sont magnifiques. Il y a vachement de lumière avec les stones. Ouais, non, franchement c'est cool. Hop là, comment se prendre une porte dans la gueule? Moi je cherche le zombie stripteaser. Ah ouais, trop bien! T'as vu? Enfin. Un petit son, c'est. Je t'invite à le faire à au la montage. Réception, à la réception. Un Dark, je t'invite à le faire au montage. Ah ouais, je vais peut-être mettre une musique de disco dessus. Terrible. Ah ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre une ambiance boîte de nuit et tout. Avec un truc genre. Alors. Est-ce qu'il y a des coffres de l'Ender? Non, il n'y a pas de coffre de l'Ender. Bonjour. Qui veut tâter de mon épée? Qui veut tâter? 120 secondes, les gars. Allez, on se dépêche. Putain, il reste 7 mecs cachés, mais ils sont planqués où, les gars? Pas possible. Ouais, j'avoue, j'arrive pas à les voir, là. C'est un peu des cachettes de moi. Moi, s'il reste 20 secondes, je cours. C'est PGNM. J'entends une sorte de... Non, c'est moi, le PGNM. Ça fait... C'était très 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 bizarre. Où est-ce qu'elle sent? C'est quoi? Moi je suis encore caché. Ah ah ah. Le mec qui prend une douche ou quoi? Non, c'est quand t'as assez, t'as tapé trop, tapé. Ah oui, quoi. C'est. Ah mais oui. Il est très désagréable ce bruit d'ailleurs. Il y a un mec qui a le. Ah oui, c'est. Ils tombent tous autour de moi, mais ils arrivent pas à me trouver. Je crois que j'ai enfermé un mec. Ah! Je l'ai enfermé. Ah non. J'ai tapé. Dark Evil, je te vois. C'est vrai, tu me vois. Ouais. Non, il est où? Oh, je te vois. Oh, t'es sur le champignon, toi. Oh, t'es sur le champignon. C'est toi le beacon. Je t'ai vu. Putain, mais comment t'as fait pour monter ici? Espèce de Yamakasi. Oh, y'a un mec qui court derrière toi. Je t'ai. Aïe, 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 je t'ai. C'est toi là. Ah non! J'ai tué le beacon nommé Marco!
Marco le Beacon est décédé en cette époque 2013, et oui, il eut bien vécu caché sous ses restes de champignons. Il a marqué l'histoire en se familiarisant avec son élément naturel. Oui, le Beacon, c'est un art. Une morphologie racontée par Dark Heaven. Merci à tous. Magnifique, bravo Dark. C'est bon. Merci d'avoir raconté ma mort cruellement. Bon, en vrai, je lui ai mis 3 coups d'épée dans la gueule, j'ai gueulé comme un paysan, et j'ai fait. voilà. Et puis voilà quoi. Et oui, parce que Minecraft est un monde cruel en vrai, mais on ne le dit jamais assez. C'est vrai quand on y. Ah, bon, on a perdu. Oh bah c'est la fin. Bah, effectivement. Écoutez, je vous invite à ce qu'on se retrouve juste dans le 58 pour faire la clôture tous ensemble. 58, c'est depuis 58, tout à l'heure. Il ouais. Le 58, il bug. En fait, le 58, ouais. Ça fait depuis 3 jours qu'il est en restart. Voilà. Il y a des mecs qui attendent devant depuis 3 jours, tu sais. Ils ont pas mangé, ils ont pas bu. Ils sont là, ils ont 54. Juste au-dessus. Ah ouais. 54. Voilà, et on va se lancer le mot de la fin tous ensemble. Hop. Vous êtes tous là. Et il est là. X Charismatics. Eh ben c'est. Bah merci à tous, voilà, c'est la fin. Voilà, on va faire la fin, comme ça, un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. C'est pas à l'arrache. Pas tant que ça. Oh, il a des yeux très rouges lui. Alors, bah écoutez, je vous remercie, je rappelle encore que vous pouvez aller sur la chaîne d'Oxylac pour notre aventure suivie et les autres aventures qu'il a proposées également. Il fait partie aussi de la Craftmania, il l'a rejoint. C'est vrai que j'en ai moins parlé parce qu'il est arrivé un peu plus après, mais il fait également son aventure suivie sur Craftmania qui, elle, continue. Donc je vous invite aussi à regarder cette série avec un bel élevage de dinosaures. Azenshing, est-ce que tu veux dire un petit truc, une petite info là pour les viewers qui s'inquiètent parce qu'il y en a plein qui me parlent de toi sur Skype, tu sais, ils sont là, ils font alors, il va bien et tout. Mais je communique avec eux, donc ça, y a pas de problème, je suis toujours là pour Skype. De... Oui, mais ceux qui s'inquiètent et qui le savent. Et ceux qui savent pas, bah dans le mois prochain, le début du mois prochain, je serai là, ça c'est sûr. On est combien ce mec il regarde 16 ans, on est dans deux semaines. Allez, dans deux semaines. Je te remercie, je vais pas réussir. Karimakix. Voilà, je l'aurais prononcé bien une fois. Salut Alice, je suis désolé. C'est moi qui ai un pseudo de merde. Écoute, merci d'être passé avec nous, Marco. Voilà, c'est plus simple. Est-ce que tu avais un petit truc à rajouter ou quelque chose à dire? Tu peux, vas-y, lâche-toi. C'était super et tu continues comme ça. On te remercie, on se fait agresser par une fille là, c'est le succès qui remonte, tu vois, tu es trop populaire Marco apparemment, donc fais attention. Les filles viennent à toi. Elles risquent de te draguer, donc fais attention Marco, sois prudent et protège-toi. Le mec, Merci à tous ladies and gentlemen, c'était Dark Heaven et Azenshing et Oxylac et Charismatic, c'était tout le monde en fait. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle série abonnée, merci à tous. Ah oui, attendez, je précise un dernier truc. Je stoppe les réservations pour les mini-jeux pour l'instant. Et peut-être que je recalerai une vidéo déjà dès le début pour le dire. Mais je suis une bibliothèque, c'est génial. Et je tiens à le dire quand même là, pour l'instant les réservations je stoppe parce que j'ai beaucoup trop de monde là pour l'instant. Donc on va arrêter un petit peu, on va essayer de faire passer déjà les gens. Et puis on verra après ce qu'on en fait parce que je suis même pas sûr que ça tienne sur toute la saison. Donc voilà, merci en tout cas pour vos participations. Donc pour ceux qui reviennent pour l'instant, là pour l'instant on met en pause. Voilà, salut tout le monde, à la prochaine. Salut.